Il était une fois un gros loup noir qui vivait dans la forêt avec sa louve. Louve avait 9 ans, loup avait 9 ans et louve 10 ans. Sa louve lui dit: pourquoi tu vas pas chercher un copain? Ben, je peux pas, parce que tous les animaux ont peur de moi. Ben, je le sais, mais tu peux te déguiser quand même. J'ai essayé de me déguiser en tortue, me déguiser en lion, mais rien ne marche. Alors t'as qu'à expliquer à tous les animaux que t'es gentil et pas méchant. D'accord. Et il va dans la forêt. Il marche. Il marche. Il marche jusqu'à ce qu'il annonce la nouvelle. Chère tortue, cher loup, cher tout le monde, je voulais vous dire que je ne suis pas méchant. Jusqu'à ce que la tortue coupe la parole à loup. Si t'es méchant, tu vas nous dévorer tout cru. C'est vrai ? S'exclame une famille de hérissons. Jusqu'à ce qu'un loup tombe parce qu'il était pressé. Loup se retourne vers lui et s'exclame: wow, un loup comme moi, c'est la première fois que je le vois. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Alfred. Oh, c'est bizarre, moi je m'appelle loup. Jusqu'à ce qu'un autre loup tombe parce qu'il s'était fait mal au genou. Comment t'appelles-tu? S'exclame loup. Guitare. Wow, s'exclame loup. J'ai deux nouveaux amis en une seule journée. Un autre loup vint parce qu'il s'était fait mal au coude. Il s'appelait singe. Ouais, maintenant j'ai trois nouveaux amis. Jusqu'à ce qu'un quatrième loup, crayon, vienne en marchant. En marchant. En marchant. Ouais, maintenant j'ai quatre nouveaux copains et j'ai de la chance. Et loup les présenta à sa louve. Regarde louve, regarde, j'ai quatre nouveaux amis. Eh ben tu vois quand tu veux, c'est pas difficile de trouver des amis.